Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage d'une commande que j'ai placée sur Auraloa. Alors, ce n'est pas un partenariat, ce sont des achats que j'ai faits moi-même. Alors, j'ai quatre toiles de Pointe-Croix. Et étant donné que j'avais atteint le niveau d'achat sur Auraloa, ils m'ont envoyé un cadeau surprise. Alors, on va commencer à regarder le cadeau surprise. C'est un diamond painting. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. J'ai enlevé voyons. La pellicule plastique. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de commande de Diamond Painting sur Auraloa. Alors, on va regarder. J'en ai quelques-uns du Diamond Painting d'Auraloa, mais. Regardez. Alors, d'abord, leur toile est très feutrée. Puis, c'est une toile en diamant rond. Et c'est il appelle Paris la nuit. Attendez, je vais essayer de la tenir ouverte. Je vais la rouler de l'autre côté. Des fois, ça aide. Alors. On va regarder la toile en premier lieu. Alors, c'est une. La grandeur, c'est une 35 par 35 cm. Alors, elle est quand même assez bloc. Alors, on a la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les feux d'artifice, le drapeau français. Alors, on a 28 couleurs, dont 4 AB. Alors, je suppose que les AB, ouais, les AB, ils vont beaucoup dans les feux d'artifice. Puis, il y en a dans le drapeau. OK, alors, on a ici des instructions, puis un code de rabais. On a un toolkit. Regardez qu'est-ce qu'on a là-dedans. Alors ici, on a un petit tunnel un petit pour remettre les diamants dans leur pot. On a un crayon ordinaire avec un trois placeurs. On a une belle paire de pinces pointues. On a un petit plateau avec un washi tape Auraloa, un petit placeur de neuf, un petit pot de cire, un squishy pour le crayon et on a également ça, qu'est-ce que c'est? Un sous-verre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Auraloa. Ça, ici, on a une petite étiquette. On a une autre petite étiquette. Aloha Win-Win. Ah, un gratteux. Puis, ici, merci. Let your creativity sparkle. Bon, bien. OK. Alors, je vais tout remettre ça. Dans le sac, ceci, ceci. Bien,
Oh. On va mettre plus comme ça. On a ici les petites étiquettes. Puis ici, on a les diamants qui sont tous dans des sacs individuels. Je n'ouvrirai pas le sac parce que j'ai la difficulté à les replacer comme ils sont, là, mais on voit les AB ici. Alors ça, c'était le cadeau surprise. Qui allait dans... que j'avais... auquel j'avais droit étant donné mon... j'ai oublié de remettre ça là-dedans. Bon. OK, je vais le mettre sans le... Bon, alors ça, c'est fait. Alors, les quatre toiles que j'ai commandé deux toiles plus anciennes, puis deux toiles plus récentes. Alors, la première, c'est, elle se faisait longtemps que je la voulais, celle-là, c'est le Renard Blanc de Natalia Brito Narducci. C'est un 14 CT, un 30 par 30. Alors, on voit, on a un petit peu de points arrière. Attendez, on en a ici. Et on en a, oui, beaucoup plus dans, pour les yeux, les poils du renard surtout. Fait qu'en fait, ouais, en fait, c'est pas mal tout pour le poil du renard. On a un total de 54 couleurs. Wow! Alors ici, on a la légende du patron et la légende du canevas. Alors, on a 54 couleurs en point de croix. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs en point arrière. C'est un 166 par 166. Ici, on a les couleurs. Alors, je vais vous les montrer comme ça, tous ensemble, comme ça. Alors, on est pas mal dans des couleurs de rose, de orange brûlé, de brun, petit peu de bleu. Alors, sur ces cartons que vous savez, je n'apprécie pas beaucoup, mais... parce que les fils... glisse et finalement bien on a la toile ici qui est quand même assez bloc. Elle va bien se broder. Ici on a de l'alternance des points, beaucoup de mélange de couleurs, mais de mélange de points de couleurs là, parce qu'on n'a pas de mélange de couleurs sur une aiguillée là, mais alors c'est imprimé là. Vous savez, c'est de toute évidence fait par la même compagnie qui fait Joy Sunday. Fait que, c'est exactement la même compagnie. Alors, ça, c'est la première toile que j'ai commandée. Ensuite, la deuxième, qui est beaucoup plus grande, c'est Rebelle de l'Ouest de Laure Philippon. C'est une 37 par 52,6, toujours en 14 CT. J'ai l'impression que le fond n'est pas uni. On va avoir quelques blocs de couleurs, mais j'ai hâte de voir ceci. Là, ça a l'air.
C'est pas uni, c'est pas un... OK, on va regarder ça. Je pense bien qu'il y a du point arrière sur cette toile. J'ai hâte de voir. J'aime bien l'or, Philippon. J'avais commandé plusieurs. J'ai plusieurs Diamond Painting d'elle de chez Oraloa. Alors, si on regarde le patron, on voit tout de suite, on a du point arrière ici. Attendez, si je le mets à l'endroit. On a du point arrière. Je regarde qu'est-ce que c'est ça ici. On a du point, comme des chaînes ici, mais je les vois. Ah, ils sont ici. Des chaînes dorées. Oh, c'est. Regardez si c'est joli. OK. Wow. Oh, mais je ne m'attendais pas à ça. Oh, je ne m'attendais pas à ça. OK, elle est jolie. Elle est jolie. Wow. Elle est superbement jolie. Elle est beaucoup plus détaillée que je m'attendais. Alors, on a un total de... D'abord, le count. Je l'ai-tu ici? C'est un 204 par 290. On a un total de 61 couleurs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs en point arrière. Mais je suis épatée. Vraiment épatée. Oh! Wow! Wow, regardez son visage. Oh! OK, belle. Moses. Puis le fond n'est pas uni. Wow! OK, on va regarder ça, ces couleurs-là. 61 couleurs. Et je suis en amour. Et je suis en amour. OK. Et je suis en amour. OK. Alors, je vais détacher ça. Je vais juste laisser ça ici, là-dessus. Alors, ici, j'ai deux aiguilles avec le supplément de 57. Alors, ici, on a la couleur 61. C'est-tu du blanc ou c'est du 5200 ou c'est du 3865 5200? Bon. OK. Oh, regardez-moi ça. Oh! Oh! Oh, je suis en amour. Oh, que c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh! La madame est en amour. OK. Elle veut la commencer tout de suite. Ben oui, Méline. Oh, elle est beau jaune, peut-être même. Oh, que c'est joli. Ah, oh, c'est vraiment, là. Aïe, aïe. Oh. Hey, vraiment. Oh. Hey, les couleurs sont magnifiques. Magnifiques. Alors, je disais, c'était une 37 par... Wow! OK! Hey. Je suis en amour. Regardez-moi ça. Voyez-vous, le vert, là, c'est la couleur 57. Là. C'est pour ça qu'on en a beaucoup de... On va avoir un gros bloc là, puis on en a un petit peu ici, mais regardez-moi ça. Oh, que c'est joli! Puis avec tous les points arrière, puis les points, les chaînes, puis les étoiles, puis les... Oh, qu'elle est belle! Moses! Moses! À voler dans ma pile à commencer. J'ai une pile à commencer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Mais disons, c'est ma pile de ce que je veux commencer cette année. Et... OK.
Alors, ça, c'était ma deuxième toile. Ma troisième toile, c'est dans la nouvelle collection. Alors, c'est dans une boîte. My Little World de Maya Studio. C'est une 35 par 35. Alors, regardez, toujours une 14 CT. Alors, j'adorais ses yeux. Les petits nounours autour, je ne sais pas s'il y a du point arrière. Je pense qu'il y a du point arrière certain dans sa blouse. On va voir ça. On va voir ça. Ah! Je cherchais comment l'ouvrir. Il y a un... Ça vient dans une boîte. OK. Alors, nous avons les fils sur des petites bandes, comme ça ici. On a un tool kit, je ne l'ouvrirai pas. On voit que vous avez une paire de ciseaux, des petites aiguilles, un découvite, puis un petit pompon, puis ce qui va au bout du doigt. Nous avons les instructions ici. Et là, si on regarde, fait que ça, c'est pas fait par Joy Sunday. Ils ont changé de fournisseur. Je soupçonne que c'est... combien de couleurs? 33 couleurs. Ouais. Compte tenu que c'est quand même une image assez... En regardant ici, il n'y a pas de point arrière. OK. OK, alors, ça ici, on a un gros bloc ici, mais... On va regarder la toile. Je sais pas. On va voir si... Pas certaine du rendu. La toile est surjetée. Well. Alors, je vous montre la toile complète. Honnêtement, je sais pas. Le fait que c'est comme un personnage de dessin animé, là, puis peut-être que ça va le sauver, mais je suis pas certaine du rendu. Bon, l'impression est très belle. Très, très belle. Mais la toile est relativement souple. 33 couleurs. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je suis comme « wow ». Ça, c'est un « peut-être ». J'essaie de voir. Ici, on a une nounours. Ici, on a les petites fraises, puis un petit nounours en... Ici, on a une autre nounours, la grosse pomme. Et puis les « elles », ben... Le fait qu'il y a... Je sais pas. Je vous montre les fils comme ça ici. Les couleurs sont très, très belles. En trois couleurs, on a des beaux roses et bleus, puis tout ça. Honnêtement, pour celle-là, je suis un petit peu déçue. Je suis un peu déçue. Alors, pour la dernière,
Puis je n'aime pas que ça soit dans une grosse boîte comme ça. Ça va prendre bien de la place. Finalement, la dernière, c'est celle-ci. C'est guitare de Laure Philippon, une 35-41, 14 CT. Alors, j'aime beaucoup ces couleurs-là, là, je veux dire, c'est dans des teintes de vert pâle, de bleu. On a un lapin ici avec des ailes, des petites étoiles. Si c'est fait par la même compagnie, mais on ne devrait pas avoir de point arrière. Excusez. Alors, on a ici un toolkit qui est semblable au précédent, mais avec une enfile aiguille. Guitare. On a 36 couleurs. Alors, je vous montre le. Je vais être très honnête, je préférais leur ancien fournisseur. Il y a moins de couleurs. Quoique celui-là est quand même assez dans les mêmes teintes. Là, on a des couleurs chères, mais on est tous dans des bleus. OK. Alors, ceci. OK. Ouais, c'est. Faudrait que je la brode pour voir, là, mais je fais pas un wow là, comme la Rebelle de l'Ouest. C'est pas un wow. Puis on a les couleurs ici. Très, très jolies couleurs. Très, très, très jolie couleur. Mais. Alors, disons qu'en étant super honnête, étant donné qu'ils ont changé de fournisseur chez Aurora, suis pas convaincue que je vais racheter d'autres toiles. Enfin, alors, si vous comparez la Rebelle de l'Ouest de Laure Philippon puis celle-ci, là, laquelle que vous trouvez qui serait la plus détaillée, c'est définitivement Rebelle de l'Ouest, là. Avec 61 couleurs, puis tous les points arrière, puis les points, puis ça, mais. Regardez, moi, je donne un point de vue honnête. D'abord, c'est pas un partenariat, fait que. Puis, je donne un point de vue honnête, puis je suis pas convaincue. Déçue par les deux dernières toiles. Bon. Alors, peut-être que quand je me déciderai à la commencer, mais je pourrai voir qu'est-ce que ça a l'air, là, mais. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de ma commande sur Auraloa. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.